Alors, hop, j'ai quand même. Je vais mettre genre à 40. Ouais, pour mes oreilles. Voilà. Alors. Donc, premier gameplay commenté, ça va quand même assez chaud, personnellement. Hop, on est chaud. 3, 4. Eh bien, salut à tous, c'est Pixagon World Game. Game blablabla. Putain, c'est chaud en vrai. Eh bien, salut à tous, c'est Pixagon World Gameplay. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va super bien. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Donc, c'est la première vidéo commentée que je fais. Enfin, pas exactement la première. J'ai déjà fait une vidéo où je parlais, mais c'était pour savoir un sondage, c'est pour savoir si vous vouliez que j'en fasse. Et donc, on va dire que déjà, la vidéo, elle a pas fait énormément de vues, contrairement aux autres vidéos. Par exemple, j'ai sorti le même jour que Diablo Marin vs Canon Solar. Voilà. Canon Solar, Diablo Marin fait 1500 vues, enfin 1200 vues actuellement, celle-ci en fait 100. Mais en fait, je m'en fous des vues. Franchement, j'ai 2-3 vidéos qui font que j'ai les vues, je m'en fous en fait. Je veux surtout en fait, parler à ma communauté, on va dire. Enfin, parler français, ça fait. Parce qu'on n'a pas de youtubeurs français qui. On en a, mais genre avec une dizaine d'abonnés qui font pas énormément de vues, qui font pas forcément des gameplays de grande qualité. Bon, je les critique pas, mais voilà. Donc là, aujourd'hui, on se retrouve pour la première vidéo où je parle. Franchement, c'est un peu bizarre. Hein. Donc, aujourd'hui, j'ai prévu de faire des petits tutos pour savoir comment jouer quelle arme. Donc aujourd'hui on va s'attaquer à un sniper très spécial qui est très connu dans Pixel Gun 3D. Car il faut savoir j'ai joué 3 ans à Pixel Gun 3D, sans le hack bien sûr, donc un peu de thune, le peu de thune que j'avais dans le jeu, pas d'avoir les armes et tout. Maintenant j'arrive à le hack, donc c'est pas grave. Enfin bref, donc on va jouer le prototype. Donc un sniper très très intéressant. Comme vous le voyez, c'est Noël, il y a eu les promos, j'ai reçu ma paye. Donc j'ai mis un peu d'argent dans le jeu pour pouvoir m'acheter tout, ouais je crois que j'avais déjà celle-là j'avais acheté 100 mètres d'argent, 60 000 à farmer c'est quand même chaud hein. Mais ouais donc je vais pouvoir m'acheter au moins 90% des armes qui vont sortir. Celle que je veux pas c'est le trident, il faut que je fasse une review dessus mais je suis vraiment pas chaud parce que j'aime pas vraiment. Enfin bref, le prototype donc je l'ai pas encore opé parce qu'en fait ceux qui vont me regarder, les Français, grande majorité des cas, vont à la limite avoir le prototype mais pas EP. Ceux qui l'ont pas encore mais qui ont dans le projet de l'acheter, franchement regardez la vidéo, ça va vraiment vous aider pour vous préparer. Donc on a le prototype. Donc létalité normale 60, firerate 60, c'est un très bon firerate pour un sniper, capacité 10 qui est bien, mobility. Faut savoir que mobility dans le jeu ça se sent pas trop mais il faut pas être en 95. 100 c'est bien, c'est les stats. Le maximum je crois que c'est 111, voilà. 81, vous voyez pour le Silver Musket, c'est un sniper lourd, ça se sent. Faut bien camper avec, faut pas aller chercher trop de. Enfin, quoi. Donc, on est là avec notre prototype équipé. Donc, zoom x4, c'est un petit zoom assez intéressant, mais pas énorme comme par exemple le Silver Musket qui lui est x8, voilà. Wall break, ça veut dire que ça va traverser les murs, ça veut dire que ça traverse toute la main, même si vous touchez quelqu'un, ça va traverser son corps pour aller. S'il y a quelqu'un d'autre derrière, ça peut toucher. C'est très intéressant à jouer, mais là dans cette vidéo, je vais vous montrer sur quelle map est joué, dans quel mode de jouer et comment le jouer. Donc, déjà, on va regarder le stuff à côté. Last Kist, j'ai envie de jouer Hellraiser. Ouais, on va prendre. Non, on va prendre le Hitman Pistol P1. Là, on va jouer un peu le Pet Dragon. Enfin, je l'ai acheté, mais j'ai très peu joué. Diable Marin, c'est nul. On va jouer Dragon Canon. Et on va quand même garder les sabres laser qui sont là. Pardon. Donc les sabres laser qui vont nous permettre, rouge ou bleu c'est la même chose, hein, qui vont nous permettre d'avoir un saut plus élevé comme l'Electric Glove. Mais moi je suis pas trop fan des armes de corps à corps en fait, mais je sais pas si je m'achète. Donc on va quand même le garder car je vais quand même vous montrer jouer comment jouer sain, mais ce serait quand même très utile d'avoir les sabres laser, vous allez vite comprendre pourquoi. Donc déjà je préviens, cette vidéo va pas être enfin elle va être très peu cut, elle va être normalement je
vous regardez mes vidéos, vous avez remarqué, je fais des montages, je fais des accélérés, des ralentis, je mets de la musique, je fais des... C'est tout, bon, enfin, je fais un montage, tout, là, il risque d'y avoir très peu de choses, une petite musique de fond, et c'est tout. Donc, elle va être certainement plus longue. Donc déjà, en teamfight, est-ce qu'il est joué sur quelle map? Paradis Station, là, c'est, je fais du jeu en américain, hein, pour avoir le chat en américain, parce que je parle... je suis pas très bon en anglais, mais je quand même... mes contacts favoris sont Just Freezer, Big Up Toad, Didou aussi, c'est des français qui sont sur le chat US comme moi. Donc Paradis Resort, ouais, elle est jouée. Even, je le joue en Even, mais c'est pas la meilleure map pour le jeu. Kumpu Village, franchement, je joue pas trop sur map, donc je peux pas vous dire parcours, non, elle est pas jouée. Issa de la Muerte, moyennement, et Space Desert non plus. Donc, faut retenir les maps, la map principale, hein, si vous devez jouer avec des frères, c'est pas direct. Hein. Je vous montre pourquoi. En deathmatch, match à mort, est-ce que c'est joué? Franchement, je vous avoue, c'est pas du tout le meilleur style. Parce qu'en deathmatch, vous allez souvent être en duel face à quelqu'un. Vous allez devoir l'éliminer le plus rapidement possible. Vous allez prendre plutôt un sniper, genre Silver Mousquet, Deiterator. Des snipers qui sont là pour faire du OS, du one-shot. Donc du moins du 2 shot, alors qu'avec le prototype, si vous tombez contre quelqu'un de Ad Batman ou même Bibu, Jess Freezer, des gens qui sont stuff, au moins avec une, au moins l'armure, mais le prototype va galérer à les tuer parce que là on joue avec le prototype, non, donc c'est pas franchement le meilleur mode pour jouer. Après on peut le jouer bien évidemment, hein, c'est pas ce que je dis, c'est pas bien de jouer là, c'est pas joué. Ensuite la capture, est-ce que c'est bien de jouer? Franchement c'est le meilleur mode pour y jouer. En fait il faut avoir, une bonne team. Et après s'il y en a un ou un seul qui campe avec le prototype qui se met derrière un mur qui vise, vous allez voir après en fait. Donc sur ces Isla de la Muerte tout la seule, mais Space Desert c'est pas pratiquement pas joué par franchement. Parce que le parcours la map est vraiment très petite pour en quelques sauts avec des sabres laser, vous l'avez fait. Faire du capture drapeau est très petit, donc on a genre, généralement pas le temps de gérer l'ennemi qui a 4 minutes. Donc là on est parti sur Paradis Station pour vous montrer en espérant pas être tout seul. À la limite si on est tout seul c'est bien aussi, je peux vous présenter. Ok, donc on n'est pas tout seul, donc là je sors le sabre laser pour sauter. Donc alors là on a démarré côté sur l'équipe, ouf j'ai un petit lag qui démarre dans la maison. Alors dans la maison, ce qui est utile avec le prototype, ici, on se met là. Donc ici en fait, on ne peut pas être atteint par des balles normales. Il n'y a que les explosions qui pourraient nous atteindre. Du style, regardez. Ouais, on l'a loupé, tant pis. Que les explosions qui pourraient nous atteindre, du style le diable marin, canon solaire et compagnie. Donc ça a été des tech dark. Donc on va généralement être à couvert. On n'a pas une très très bonne visibilité, mais comme vous voyez avec le zoom qui est pas trop élevé, on a quand même une bonne vue. On a quelqu'un avec nous qui joue au prototype également. Hop, j'ai touché, vous l'avez vu. Après voilà, bon. Ah, et quelqu'un derrière nous, on est mort. Donc ça c'est pas grave, on s'en fiche dans cette vidéo, je vais pas chercher à gagner ou à faire des plus beaux kills possibles. Je vais pas vous montrer. Donc déjà ça c'est une bonne petite astuce pour jouer avec. C'est de camper derrière les vitres tout en faisant attention de ne pas être trop qu'il n'y ait pas quelqu'un qui arrive par derrière. Donc là ok, je comprends pas trop ce qui se passe. Donc là je vous regardez comment il recharge, il est assez long mais pour un sniper c'est normal, sachant qu'il a 10 munitions et qu'il tire à une bonne cadence, joli lag, voilà, qui tire à une bonne cadence, ça va. Donc là je vais vous montrer le meilleur lieu de camp quand on spawn ici. Si vous allez spawner de l'autre côté, alors on va y aller. J'ai vu quelqu'un qui joue au canon dragon. Alors on va aller se mettre ici. En fait c'est pas très enfin c'est pas le meilleur endroit pour spawn sur la map quand on joue au prototype. Mais vous pouvez vous mettre par exemple, moi j'aime bien me mettre là, comme ça on a une bonne visibilité sur la maison qui est le lieu principal de spawn de l'équipe adverse. Hop, j'ai eu. Il fallait que je fasse un kill pour les trophées. Donc, vous avez vu la cadence? Et donc où je me suis mis là, je suis mort, c'est pas grave. C'est un lieu de spawn
C'est bien quand on a une visibilité, mais on est à la fois très visible. Regardez, je spawn ici, je remarque directement là. Je serai ici. Donc franchement, c'est pas forcément le meilleur endroit. Hop, là, je me suis totalement loupé. Je dis pas que je suis un pro gamer, hein. C'est pas parce que je vous fais un petit tuto, c'est pour les débutants, pour ceux qui veulent jouer cette arme. Hein. Je me prétends pas du tout pro gamer, vous inquiétez pas. Donc, une fois que vous êtes ici, quand vous spawnez du côté du phare, c'est vrai que c'est, ici c'est un bon endroit. Mais après, si vous spawnez dans le phare, ça peut être sympa. Je vais vous montrer. Hop. Oh, voilà. Ah, je suis tombé. Bon. Je vais vous montrer si vous spawnez dans le phare, c'est-à-dire tout en haut, c'est-à-dire ici. Vous pouvez vous mettre ici. Hop, bien descendre, voilà. Alors ici, on a abreuvé à couvert, voilà. Vous avez vu une explosion, ils m'ont vu. Ils m'ont balancé une explosion. Et après, si vous êtes là, vous avez une cible, vous la lâchez pas, vous tournez. Et là, vous l'avez dedans. Donc vous pouvez continuer à tirer là, à travers le mur. Ou même si vous avez une cible, par exemple, hop, là, hop. 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 Enfin bref. Ça peut être intéressant, mais il faut savoir jouer les décales, c'est-à-dire se décaler avant de tirer ou après, ça dépend, même tirer en se décalant pour pas se faire toucher nous. Ensuite, qu'est-ce que je peux vous montrer? Bah, je crois que sur cette map, c'est à peu près tout. Le tuto principal, en fait, c'est les vitres, comme je vous ai montré tout à l'heure. Hop, donc voilà, donc pour cette map, c'est tout. Donc maintenant je vais vous montrer comment jouer. Alors si vous avez les sabres laser ou le point électrique, j'ai oublié le nom exact, avec donc les sauts qui sont augmentés, et moi j'ai en plus les bottes double jump, je vous avais dit qu'il y avait quelqu'un qui jouait avec, vous pouvez donc jouer comme moi, c'est à dire vous sautez, et une fois que vous êtes en l'air, faut avoir soit vous jouez avec les chips sur le clavier, soit vous jouez avec la molette, ça c'est comme vous voulez. Bon, après, si vous êtes vraiment les meilleurs joueurs, jouent avec les chiffres. Mais je connais des très très bons joueurs qui jouent avec la molette. En fait, faut juste, voilà, c'est tout. Faut juste prendre le rythme avec la molette pour savoir quelle arme est où et puis après. Donc voilà, donc là j'ai fait sur Paradis Resort pour montrer comment jouer sur ce map, c'est-à-dire les lieux de spawn intéressants. Maintenant, mais je vous ai pas montré comment jouer avec l'arme. On va aller en tout cas seul pour vous montrer comment on joue en capture par rapport avec. C'est très simple, hein, cette vidéo. Mais et en même temps, je vous montrerai comment je joue avec les sabres laser et sans. On va jouer sans aussi. Ok, je suis tout seul, c'est parfait. Donc, on est ici, lieu de spawn allié. Imaginons la case rouge là-bas. C'est le porteur de notre drapeau. Quelqu'un nous a pris le drapeau. C'est le porteur du drapeau. Donc déjà, qu'est-ce que vous allez faire? Alors moi, ce que je fais le plus souvent, hein, c'est que je me mets ici. Alors pourquoi ici? Parce que ici j'ai une visibilité sur toute la map. Je suis à l'angle, sauf s'il est là, mais si dans ces cas-là je peux aller le chercher avec mon arme, ma primary weapon. Weapon, enfin voilà, mon arme, mon arme primaire. Ensuite, imaginons il est devant. Donc là, imaginons c'est ça. Ça c'est notre drapeau, mais il est pris par quelqu'un. Donc déjà, vous allez viser. Il faut pas viser là. Faut pas viser là. Vous visez un peu plus bas. Genre là on a la tête par exemple. Là on a le corps. Et là on a les pieds. Vous voyez. Donc là déjà, on va faire pam pam. Imaginons il bouge. Donc là on fait pam pam. En fait, on va rester appuyé sur votre clic gauche. Vous restez appuyé dessus. Comme ça, vous allez balancer tout ça en rafale. Même des fois, ça m'arrive de faire 2-3 kills sans faire exprès en visant là-bas. Puisque là-bas, où je vise, c'est la zone de combat, c'est le mid, où il y a le plus de combats sur la map. Donc parfois, vos lasers vont toucher un adversaire et l'adversaire va mourir. Donc ça reste intéressant. Donc, vous allez viser. Après, si vous savez que par exemple, c'est TDT Lanceur, un grand joueur. Un grand joueur de capture drapeau qui a l'armure EP2, donc il a énormément d'armure, donc 162 comme moi, ou 152, ça dépend. Ben là, dans ce cas-là, vous pouvez aller chercher un combat rapproché. Donc, combat rapproché, c'est quoi? Imaginons là-bas, la petite. Les munitions, c'est une cible. Donc, nous, on est, on va dire, ici, on passe de là.
On voit la cible. La cible est un joueur entre niveau 7 et 15, c'est-à-dire un joueur qui a joué pas mal, mais qui n'est pas encore fait au jeu, on va dire. Sauf si c'est un ancien pro de CSGO ou quelque chose comme ça, mais voilà. Donc, il va pas forcément bouger quand. Bah, vous savez tous, à notre début, quand on voit une cible, on est plutôt comme ça, pour essayer de la toucher. Alors qu'en réalité, il faut sauter, il faut se déplacer, il faut essayer de changer d'arme, pour essayer de changer la technique en fonction de la distance où on est de la cible et compagnie. Alors, si c'est un niveau débutant, ou si c'est même quelqu'un que vous êtes en milieu de partie, vous savez qu'il joue pas forcément très bien, ben, il a les armes et tout, mais il joue pas forcément très bien, vous avez sauté autour, et vous avez même pas utilisé votre zoom. Hein. C'est un sniper, mais puisqu'il a une petite cible, même sans scope, et hop, vous jouez comme ça, hop. Donc là, vous avez vu, j'étais sur l'arbre. Sur l'arbre, en fait, une fois que vous avez bien vu la cible qui est ici, même s'il y a un mur, vous pouvez quand même essayer de toucher. Regardez. Là, on a la cible. Hop, là, je la vois. Hop. Et donc, les balles sont passées, bon, pas forcément dessus. Faut savoir qu'un joueur est plus gros que ce petit truc, mais à côté, du moins. Et donc, ça reste intéressant. Donc, il faut toujours être en mouvement. Hein. C'est pas un sniper. Du style Silver Musket, j'arrive vraiment à le dire, mais c'est Silver Musket. En fait, je répète beaucoup dans cette vidéo, c'est parce que c'est le sniper lourd de campeur par excellence. Il y en a qui jouent en no camp, mais en fait, je suis pas trop fan des gens comme ça. Autant jouer le Later Writer, parce que le Later Writer a 4 munitions et se recharge bien vite. Alors que recharger à chaque balle, si vous êtes en mouvement et que même si vous avez géré quelqu'un avec votre sniper mais qu'il en reste un, le temps que vous rechargez, généralement vous allez prendre quelques balles et c'est pas très cool. Alors qu'avec le Data Writer, vous allez pouvoir le gérer plus rapidement. Donc avec le Silver Musket, vous allez plutôt camper. C'est tout l'inverse du prototype. Le prototype, vous pouvez camper, enfin pas forcément vous camper, vous mettre à couvert, vous savez où est la cible et tirer dessus. La cible ne saura d'où ça vient, mais vous verra pas vous, donc ne pourra pas vous atteindre généralement. Et donc vous serez plutôt bien. Donc voilà, je crois que tout est dit, je sais pas combien ça fait de temps que je recorde. Je vous ai dit à peu près, c'est un mini tuto, hein, enfin ça dure longtemps. À mon avis, j'ai dit beaucoup de trucs inutiles dans la vidéo. Genre des trucs que j'avais déjà dit avant, je me répète. Mais franchement, c'est ma première vidéo commentaire que je fais. Si vous voulez simplement des gameplays comme je fais d'habitude, mais où je parle dedans, où je m'exprime en jouant, vous dites aussi. Hein. Si ça vous a pas plu, dites-le aussi, je m'en fous. C'est juste quand même, c'est quand même, je me suis dit que ça pourrait vous plaire, puisque je sais qu'il y a pas mal de joueurs français qui débutent, qui par exemple me demandent comment se faire des coins facilement. Et bien maintenant, il n'y a plus trop de solutions, on peut plus farmer avec les rooms. Les rooms, je parle des chambres, enfin des serveurs, on peut plus farmer puisqu'on peut plus gagner de récompenses à la fin. Donc voilà, on me demande plein de conseils en français. Et puisque les conseils qu'on me demande, j'ai compris que c'est pas forcément des gens qui vont jouer énormément au jeu qui me les demandent, parce que sinon quelqu'un du style de Death Freezer ou même Lilou ne me demanderait pas ça, parce que je sais très bien que eux, ils savent comment on fait. Donc je sais qu'il y a des joueurs débutants, donc cette vidéo s'adresse à vous. Hein. Si vous avez acheté le prototype, vous savez pas le jouer, bah regardez la vidéo. Donc voilà, c'est la fin de la vidéo. Ah, il faut que je fasse exit parce que je vais perdre bien sûr. Tant pis pour la munition, je perds. Donc je disais, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, à vous abonner, à partager, ça me ferait vraiment plaisir. Si vous avez des suggestions de vidéos, n'hésitez pas à le mettre dans les commentaires, j'en tiendrai compte. Si vous avez par exemple des idées du style dis parle moins, montre plus ça, comment on fait ça et ça, dites-le-moi dans les commentaires, je le ferai pour la prochaine vidéo commentaire. Il n'y en aura pas énormément, moi j'en dis une toutes les 2 semaines. Après, si ça plaît vraiment, j'en ferai beaucoup plus souvent, bien évidemment. Mais après, je sais que ça va forcément beaucoup moins marcher que mes autres vidéos. Ce qui est logique, hein. Et je fais pas ça, je m'en fous pour les vues, franchement je fais ça pour les Français qui me regardent. Voilà, donc si vous voulez voir un gameplay pur et dur du prototype, dans les commentaires je vais mettre les liens du gameplay 1 du prototype. J'ai fait deux gameplays avec le prototype qui n'étaient pas OP, avec l'ancienne version. J'ai fait un gameplay du prototype, nouvelle version, car on a changé ses dégâts et tout, qui s'appelle Prototype and Flag Capture. Donc là-dessus, ça vous pourra vous montrer comment jouer le prototype dans les captures de drapeau.
Et donc bientôt, il y aura une vidéo pour vous montrer le prototype EP1. Ça me tarde vraiment. Franchement, ça a l'air d'être de tuer. En plus, on voit son apparence qui change un peu. Si vous regardez bien. Regardez, là, il y a 1. Hop, et là, il y a écrit 2. Il y a des petits trucs verts. C'est assez stylé. Bon, c'est pas magique, magique, mais ça reste sympa. Bon, bientôt, soon, vidéo prototype. Donc, dans les commentaires, allez voir toutes les vidéos que j'ai fait avec le prototype si vous voulez voir comment on joue. Voilà. Et je vous dis à plus. Bye bye. Hey! N'oublie pas de t'abonner, d'aller voir le petit trailer. Oui, j'ai fait un trailer sur Pixel Gun World. C'est pour un concours, tu peux aller le voir. Franchement, ça me fait plaisir. Clique juste ici. Allez, clique.